vol, nom masculin. Espace parcouru par un oiseau en une fois ou locomotion aérienne à l'aide d'appareils plus lourds que l'air, en particulier au moyen d'ailes. Expression « prendre son vol », s'envoler. Au sens figuré, s'affranchir de ses entraves, user de toute sa liberté, s'élever à une certaine hauteur et s'y maintenir, en parlant de l'esprit humain. Au sens propre, sous-entendu en parlant du corps humain, c'est la même chose. S'élever à une certaine hauteur, puis évidemment s'y maintenir et surtout, ça finit toujours comme ça, savoir reprendre contact avec le sol sans y laisser des plumes. Pour l'oiseau, c'est plutôt simple. Par exemple, lors de son envol, il a les muscles des pattes contractés, le corps ramassé, les ailes tendues, puis il détend brusquement les muscles jambiers et bas des ailes. Lors du vol proprement dit, il a une attitude particulière de la tête, du cou, du corps, il a les pattes rentrées, courbure des ailes, forme changeante des rémiges, modification des rectrices, etc. Pour les hommes, ce n'est pas aussi simple que l'image le montre. Ça s'apprend. Enfin, pour en finir avec la page 6130 du dictionnaire, au mot « vol », nous lisons « expression par extension ». Saisir une occasion au vol, profiter du court moment pendant lequel elle se présente. Et cette occasion saisie au vol, c'est un stage de formation au pilotage des ULM, ultra léger motorisé. Nous étions venus là sur le terrain d'aviation de Libourne pour apprendre à voler. Alors en fait, ce sont des membres d'une administration qui est le ministère de l'Agriculture qui rencontrent des professionnels pratiquants de l'ULM. Et au cours de ce stage, on cherche à faire passer le maximum d'informations, et je dirais même dans les deux sens, parce que nous enrichissons également. Au niveau de l'encadrement, nous avons sélectionné parmi les pilotes professionnels, de très bons professionnels, qui pratiquent depuis très longtemps et qui, pour la majorité, ont déjà fait des classements très honorables dans des compétitions de caractère international. Eux vont chercher à transmettre le maximum de leurs connaissances dans un minimum de temps, ce qui n'est pas toujours évident. Comme on a la chance de disposer de stagiaires qui sont des gens qui ont déjà un certain niveau, alors on va essayer de donner un éveil et une vision de l'ULM la plus exacte possible, car malheureusement on a beaucoup souffert de déviations quant à la présentation qui a été faite de l'ULM, où c'était quelque chose de fantastique, où ça a été après quelque chose d'hyper dangereux. Ce n'est ni l'un ni l'autre, ce n'est ni facile ni dangereux. Il faut savoir quels sont les paramètres à afficher pour conserver un minimum de sécurité et qu'il faut un minimum d'aptitude des gens pour arriver à obtenir la satisfaction que l'on tire du vol. C'est pour cela que nous n'avons pas eu le droit de monter tout de suite dans les oiseaux rouges et bleus. Il nous a fallu d'abord digérer quelques rudiments de théorie. Un ULM, c'est léger, ça ne vole pas vite, donc les phénomènes météorologiques sont à observer avec attention. En cas de vent violent, de turbulences importantes ou à plus forte raison d'orage, on ne vole pas, on vole par temps calme. Mais comme les conditions météo ne sont pas toujours idéales, il est utile de posséder quelques notions d'aérologie. Au niveau de l'aérologie, on a étudié les différents mouvements des masses d'air, et notamment les mouvements des masses d'air près du sol. Autrement dit, on s'est attaché à analyser la micro-aérologie, puisque ce sont les phases qui nous intéressent le plus. Et savoir comment se déplacent les masses d'air et pourquoi elles se déplacent, en fonction des phénomènes thermiques, du relief, etc. Disons qu'on aborde le problème des fronts nuageux que superficiellement pour expliquer et amener à d'autres raisonnements. Savoir reconnaître les nuages en fonction de leur forme, de leur altitude. Savoir qu'il est interdit avec un ULM de traverser un nuage, surtout si c'est un cumulonimbus. Et après avoir pris connaissance avec le milieu dans lequel on vole, on apprend pourquoi on parvient à voler. La mécanique du vol a été abordée notamment au niveau de l'ULM multi-axe, mais cette mécanique est assez proche de celle de l'avion. Par contre, au niveau de l'ULM pendulaire, on a vu tous les problèmes de déformation de profil. Il y a deux types d'ultralégers motorisés. Les multi-axes, ils se pilotent grosso modo comme des avions par l'intermédiaire de gouvernes aérodynamiques, gouvernes de direction, gouvernes de profondeur, ailerons, spoiler. L'autre type d'ULM, appelé pendulaire, se pilote de manière plus physique, par déplacement du centre de gravité. C'est une aile delta avec un propulseur. Ensuite, on a abordé les problèmes de maintenance et d'indépendance du pilote avec sa machine, tels que la façon de surveiller son moteur, les différents réglages minimums à faire initialement. Ça s'appelle la visite prévol.
Et enfin, il y a tous les autres problèmes beaucoup plus communs à l'ensemble des disciplines aéronautiques, tels que la réglementation, l'altimétrie, la navigation et tous les problèmes propres aux sports aériens. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire une carte, respecter les règles d'utilisation de l'espace aérien, ainsi que les règles concernant le survol des personnes et des habitations. Mais nous n'en étions pas encore là. D'abord, nous avons fait connaissance avec notre machine, et nous avons appris en premier lieu qu'une aile, ça vole parce que c'est dessiné suivant un profil bien particulier. Ce profil est déterminé par les lattes de profilage que l'on glisse dans la toile pour donner à l'aile sa forme idéale. Voilà, les lattes. Il faut savoir qu'un ULM pendulaire est un appareil qui, par excellence, a été calculé pour être autostable, c'est-à-dire qu'il régule plus ou moins les défauts de pilotage en ce qui concerne les angles d'incidence par rapport aux vitesses. Donc nous ne risquons pas, sauf vraiment des cas extrêmes, d'atteindre des vitesses dangereuses, car l'appareil se freine naturellement tout seul. Toute aile volante est obligée d'avoir recours à une aérodynamique d'autostabilité. Sinon, nous serions réduits à l'effet de la lame de couteau que nous faisons avancer dans l'eau. La moindre variation d'angle deviendrait extrêmement brutale. Donc la seule solution est de créer ce phénomène dit d'autostabilité qui, quand l'appareil veut piquer, a tendance à le redresser, qui, quand il veut se cabrer, a tendance à le faire piquer. Évidemment, cette autostabilité présente quelques inconvénients, entre autres sur les performances en vitesse de pointe. Non mais, vous la fermez, évitez de forcer quelque part, dites-vous bien que si ça force quelque part, c'est qu'il y a une anomalie. Hein, c'est de la logique. Il y a une procédure générale, mais faites fonctionner le cerveau. C'est ça qui est important. Hein. Ça, c'était le montage de l'aile. Une aile de type delta, au-dessous de laquelle on accroche le chariot. Le chariot, c'est comme un petit kart à trois roues, avec un ou deux sièges et un groupe propulseur, c'est-à-dire un moteur et une hélice. À l'origine, il n'existait que les moteurs deux temps. Aujourd'hui, les moteurs quatre temps font leur apparition. Le chariot est accroché sous l'aile, par une fixation à cardan, de façon à rendre possible son déplacement dans tous les axes. Première démonstration de décollage exécutée par un moniteur. Il n'y a pas de doute, ça décolle vraiment très vite ces petites machines. On a tendance en vol à croire que lorsque l'on agit sur la barre, on fait changer l'incidence de la barre. En fait, c'est pas vrai, c'est votre aile qui est en appui. Et ce que vous faites simplement, c'est que vous changez la répartition du poids sous votre aile. On est bien d'accord? En l'air, vous ne changez pas l'incidence de l'aile, mais vous changez la répartition du poids sous votre aile, qui, par conséquent, va faire changer l'incidence. Hein? Donc, l'aile en vol va être sujette à variation. Le principe du vol, c'est très simple. Tout le monde a jeté des avions en papier quand on était gamin, on s'est tous amusés à ça dans la cour. Quand un avion en papier partait en piqué, qu'est-ce qu'on faisait avec les copains? Ben, on prenait un chewing-gum et puis on le mettait derrière. On mettait du poids derrière et puis il ne piquait plus. Quand on avait un avion en papier qui n'arrêtait pas de faire des décrochages, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un chewing-gum, on le mettait en avant. Ou on crachait dessus. Hein? Mais, donc, si vous voulez, la notion de centrage est une notion qu'on connaît très bien. Le deuxième point, au niveau pratique, quand vous êtes en vol, c'est de considérer que vous, vous êtes la Terre, et que la barre de trapèze, c'est votre aile. Vous voulez virer à gauche? Faites virer votre aile à gauche. Vous voulez virer à droite? Ben, inclinez votre aile à droite. Vous voulez descendre? Faites piquer votre aile. À la limite, vous vous mettez ici une petite maquette. Et puis, vous supposez que vous voulez faire à votre maquette ce que vous avez envie de faire. Et vous allez voir, ça marche très bien. Et à ce moment-là, quand vous serez tabassé, ça ne nécessitera pas une grande réponse. Et en principe, ça doit vous éviter les phénomènes d'inversion. Parce que souvent, vous vous posez la question, voyons, est-ce que c'est moi qui mets du manche, ou est-ce que c'est moi qui vais du côté, ou est-ce que je tire l'aile? Ces problèmes, ils ne se posent plus. J'ai ma petite aile, tiens, je veux qu'elle parte à gauche, et bien, je la fais virer à gauche. Je l'incline. Hein? Et c'est souvent plus facile de réfléchir en se disant, j'ai ma petite aile qui va partir comme ça, que de dire, voyons, qu'est-ce que je vais faire avec l'aile qui est au-dessus? Il faut que je l'incline, donc il faut que je tire la barre.
Voilà, c'était notre dernière leçon au sol. Maintenant, nous allions pouvoir voler. Mais nous avions bien compris que, pour l'homme, l'air n'est pas un élément où il peut se mouvoir de manière irresponsable. Sa machine doit être parfaitement contrôlée. Ça veut dire une visite pré-vol minutieuse. Et puis, c'est parti pour l'aventure. On fixe bien sa ceinture de sécurité. On regarde autour de la machine avant de mettre l'hélice en marche. Et la première leçon pratique, c'est l'apprentissage du décollage. En direction de la piste. Le roulage se fait à une vitesse suffisante pour pouvoir pallier à toute éventualité. Nous roulons sur le taxiway. Nous arrivons en bout de taxiway. Nous nous orientons vers la piste. Et nous attendons de vérifier qu'il n'y a aucun appareil en approche de piste. Le champ est libre et nous axons sur l'axe principal face au vent. Procédure de décollage, nous allons pousser le moteur à fond, prendre de la vitesse et quand la vitesse sera suffisante, nous donnerons un petit ordre à pousser sur la barre et nous tirerons légèrement la barre afin de prendre une pente de montée un peu inférieure à la pente de montée maximum de l'appareil. Là, nous prenons de la vitesse, nous contrôlons bien l'axe de trajectoire. La vitesse est suffisante, un petit ordre à pousser, ça y est, nous avons décollé. Nous tirons légèrement sur la barre tout en regardant bien notre axe afin de maintenir une pente de montée un petit peu inférieure. À partir d'une certaine altitude, nous pouvons commencer à réduire un petit peu le moteur. Il est inutile de fatiguer le moteur inutilement. Nous arrivons en verticale du bout de piste. Nous allons effectuer un virage à gauche. Je tire sur la commande de la gauche vers la droite. L'appareil s'incline. Je ramène un petit peu ma commande pour que le virage ne continue pas à s'accélérer. Je redresse complètement mon inclinaison en effectuant la manœuvre inverse. Nous sommes de nouveau en vol horizontal. L'altitude étant suffisante, j'en profite pour réduire encore un peu le moteur et prendre la vitesse dite de palier à 5250 tours environ. Dès que nous avons pris des allures de palier ou que nous sommes à une altitude suffisante, il ne faut surtout pas se crisper sur le trapèze car l'aile est autostable et elle a tendance naturellement à réguler toutes les variations d'atmosphère. Évidemment, il y a une limite à cela, il ne faut quand même pas la laisser faire tout ce qu'elle veut, mais c'est un contrôle en souplesse. Là, tu vois, on peut lâcher les mains, voilà, là l'appareil s'en va tout droit, il est tout seul. Voilà, on peut remarquer que la barre a quelques mouvements, elle s'autocontrôle, mais il y a une stabilité, on peut comme ça aller très loin et s'il faut de temps en temps remettre un peu en axe parce que, bon, forcément, il y a toujours un petit peu de phénomène atmosphérique qui nous engage un peu à droite ou un peu à gauche. Mais voilà, on peut lâcher, tout va très bien. Et du pendulaire, nous passons au multi-axe dont le pilotage est un peu différent. Ok, en arrivant en entrée de piste, on regarde bien que la finale soit dégagée. Personne en approche. On se rappelle qu'une machine en approche est prioritaire, elle est moins manœuvrante. Et on va s'aligner sur la piste. On a bien contrôlé notre axe. On va commencer la mise de puissance, manche au neutre, et progressivement on soulagera la machine jusqu'à obtenir la vitesse de décollage. Palier d'accélération, ensuite on passe en montée. On y va. Le manche vers l'arrière. Voilà, 50 à l'heure on décolle. 65, on a notre vitesse de montée.
tient bien notre axe, on reste vertical la piste. Alors toujours le contrôle de la machine en roulis à l'aide des ailerons et en tangage à l'aide de la gouverne de profondeur, ça c'est le manche. Le palonnier nous aidera pendant les virages à supprimer le lacet inverse posé par les ailerons. Bon. Et maintenant que l'on s'est évolué en l'air, on ne peut pas retarder l'échéance indéfiniment. Il va falloir reprendre contact avec le sol. Nous allons faire encore un virage à gauche quand nous allons approcher le prolongement de l'axe de piste. Alors toujours la même manœuvre. Je tire de la gauche vers la droite. Voilà. Je redresse légèrement pour ne pas continuer à engager. Nous pouvons voir que la pente est suffisante si nous coupons le moteur pour atteindre la piste. Réduction de gaz progressive avec légère inclinaison vers l'avant de l'appareil en tirant la barre afin de prendre un petit peu de vitesse pour compenser la poussée moteur qui n'existe plus. Voilà, nous descendons et nous faisons bien attention dans cette phase de bien respecter l'axe de piste et de ne pas faire des lacets qui nous écarteraient de celui-ci. Nous approchons du sol. Nous prenons encore un petit peu plus de vitesse pour assurer toute éventualité de turbulence. Nous tirons un petit peu plus sur la barre. Nous approchons. Nous sommes presque au contact. Nous relâchons notre pression sur la barre, voire nous la poussons un petit peu pour faire l'arrondi. Ça y est, nous sommes atterris. Voilà, nous roulons. Nous laissons bien rouler toujours dans l'axe. Il serait dangereux de vouloir tourner prématurément. L'appareil va encore trop vite. Voilà, la vitesse est bonne. Nous pouvons reprendre le taxiway. Nous faisons bien attention à l'approche du parking. Il peut toujours y avoir un autre appareil qui s'engage ou des gens qui nous passent devant. Il faut pouvoir s'arrêter immédiatement. Nous positionnons l'appareil avec le vent latéral. Nous appuyons l'aile au vent au sol. Nous coupons le contact. Alpha, c'est terminé. C'est Jean-Nio qui redémarre sur Alpha. Jean-Nio, ouais, c'est ça. Après. Et tu as le visuel sur tous les appareils en vol. Roulez. Alors t'es parti à quelle heure? Je suis parti. Parce que je crois qu'il y a une erreur. 40 minutes, mais je sais pas si on m'a marqué. 40 minutes. Ouais, je suis parti. 38. 8h10. T'étais en quoi? 40. Agri Delta. En navigation? Oui. 40. Ouais. 50 minutes, ça fait. Parce qu'on naviguait, il fallait prendre des points de repère, ouais. Essayer de nous perdre. Et, le but, tu t'es perdu? Non, c'était de retrouver le chemin le plus court sans utiliser les points de repère, le point de repère de la vie. Quand t'as vu les Pyrénées, t'as fait demi-tour. T'en es où au niveau de ta progression? Tu as fait les phases d'atterrissage? Oui. Lorsque vous êtes en vol et que la masse d'air est turbulente, vous risquez d'avoir des mouvements de secousse de l'aile qui peuvent être dans l'axe longitudinal ou dans l'axe latéral. Ce qu'il faut bien que vous sachiez, c'est que, et vous allez le voir avec l'habitude, ça vient tout seul, certains mouvements nécessitent un contre et d'autres ne nécessitent pratiquement aucune action. En règle générale, sachez que si votre aile est bien réglée, vous ne devez pas avoir d'effort à faire sur la barre. Donc, la meilleure méthode de pilotage, c'est de rester souple en tenant votre barre. Vous devez jouer le rôle d'un amortisseur et non pas de la suspension. Je dis bien d'un amortisseur, c'est-à-dire un régulateur. Vous sentez l'aile tirer, laissez-la tirer en amortissant le coup. Parce que d'elle-même, le coup d'après, tout de suite, elle va revenir. Et quand elle va revenir, vous amortissez aussi le coup. Et vous allez voir que votre pilotage et les trajectoires que vous allez avoir seront beaucoup plus souples, plutôt que d'avoir des trajectoires hachées. N'essayez pas de contrer tout ce qui se passe, même si vous êtes près du sol. Dites-vous, bon, je mets tout au neutre, et mon aile va se stabiliser. Et quand elle commencera à se stabiliser, emmanchez votre action. Parce que si, quand vous êtes dans des phases pendant lesquelles vous ne contrôlez pas bien, votre ULM, c'est pas en contrant, puisque vous avez vu, vous avez pu vous rendre compte qu'on a toujours un temps de retard. Prenez l'habitude, même quand ça ne va pas,
de tout ramener au centre pour stabiliser votre machine. Vous allez voir que d'elle-même, même quand ça turbule beaucoup, elle se stabilise. Et à ce moment-là, vous dites au moniteur, quand vous sentez que vous merdez trop, vous ramenez tout au centre, vous demandez au moniteur de prendre la barre. Et vous vous détendez pendant 2-3 minutes. C'est beaucoup mieux que d'essayer à tout prix de forcer. Ok ? Et puis, il était important d'apprendre comment il faut réagir lors des manœuvres plus délicates, comme les virages à grande inclinaison, par exemple. Ce qu'il faut que vous sachiez, et qui se produit sur tous les aéronefs, c'est que lorsque l'on dépasse un certain angle d'inclinaison, il y a un phénomène d'inversion des commandes. C'est pour ça que vous verrez, quand votre moniteur vous fera la démonstration du virage à grande inclinaison, il fait sa prise de vitesse. Je vous ai rappelé, il y a deux cas dans lesquels je veux impérativement que tout le monde fasse une prise de vitesse. C'est dans les virages et à l'approche du sol. Donc, il fait sa prise de vitesse. Il balance l'aile jusqu'à une certaine inclinaison. Quand cette inclinaison va être obtenue, à ce moment-là, ce n'est plus de balancer l'aile qui va servir, mais ça va être de pousser la barre. Quand vous nous voyez faire des virages très serrés, en réalité, vous remarquerez, notre barre, elle est en avant. Alors qu'en vol normal, si on met notre barre en avant, qu'est-ce qui se passe? On décroche. À propos, d'accord, qu'est-ce que c'est exactement le décrochage? Nous allons faire une procédure de décrochage qui est quand même quelque chose d'artificiel. Notre grande crainte, c'est de se faire décrocher d'une façon naturelle, c'est-à-dire par des effets de vent ou un manque de vitesse. Donc là, nous allons tout faire pour perdre de la vitesse. Nous réduisons les gaz, nous allons pousser sur la barre de plus en plus fort. Voilà, notre vitesse chute. Hop, il y a un à-coup brutal et nous piquons. Et un autre décrochage, voilà. Alors, nous tirons sur la barre progressivement et voilà, le décrochage est complètement rattrapé. On a pu constater que la barre a été très très dure à pousser, que cette chose n'est pas du tout naturelle et qu'elle ne risque pas de se produire, sauf vraiment dans des cas extrêmes. L'aile se comporte pour empêcher ce phénomène. On peut s'apercevoir aussi que nous volons à 65 km/h en pente de descente, c'est-à-dire sans pousser moteur, et que, ma foi, le décrochage n'a quand même lieu qu'à 45 km/h, ce qui nous laisse une très bonne marge de sécurité, et entre autres pour l'approche atterrissage. Alors là, il s'agissait d'un incident provoqué, il nous restait donc à vivre un incident fortuit. Et il allait se produire alors que nous filmions, depuis notre ULM, notre appareil en train d'évoluer. Puisque la caméra était là, il n'y avait qu'à filmer en direct et voir comment nous allions nous en sortir. Il commence à y avoir un petit problème. On va voir si ça repart. Compte tenu du taux de chute que l'on a, on n'a pas de reprise du régime moteur. On doit avoir un début de serrage. Alors le mieux, c'est de décider de se poser. Comme on a l'altitude nécessaire et le temps, on va commencer par faire un petit tour pour regarder quels sont les prés que l'on a aux alentours. Alors d'un côté, on a des prés, mais avec pas mal de lignes et d'assez faibles surfaces. De l'autre côté de la rivière, derrière le village, là, tu vois, on a un pré qui est dans l'axe du vent, qui est à côté d'un chemin. Ça sera pratique quand on voudra qu'on ait la voiture qui vienne nous récupérer. Apparemment, il y a un peu d'herbe, mais ça ne doit pas poser de problème. Et compte tenu du fait qu'il est en long, on ne devrait pas avoir de fossé qui le traverse. Et tu vas voir, c'est un très bon exemple, parce que tu vas voir que la sécurité en ULM, ce n'est pas forcément lié au moteur, mais que c'est surtout lié à la faculté que tu as de pouvoir te poser n'importe où. Ben là, on s'est posé en moins de 30 mètres. Hein. Mais il faut dire que l'herbe nous a freiné aussi. On avait un champ encore plus grand à côté qui était en culture. Donc justement, on a choisi un champ qui est en friche. Bon, effectivement, il est tout à fait possible qu'on n'ait pas fait le meilleur choix, mais d'en haut, c'est toujours difficile à apprécier. En tout cas, ce n'est pas un champ où il y a une culture facilement identifiable. Ah ben maintenant, on attend les copains, puisqu'on était en train de filmer un autre ULM. Donc il a bien vu qu'on s'est posé. Il est venu, on lui a fait signe que tout allait bien. Donc il est reparti au terrain, il donne notre position, il y a quelqu'un qui va venir nous chercher. Alors en attendant, on va démonter l'aile, on va la plier pour être prêt à juste charger tout ça sur la remorque et rentrer. Mais
Mais nous n'étions pas venus là pour apprendre uniquement à piloter. On parle beaucoup de l'utilisation de l'ULM en agriculture. En effet, il suffit d'accrocher à l'arrière du chariot un compresseur et une rampe de pulvérisation et on transforme son ULM en appareil de traitement des cultures. Et certains vendeurs prétendent même qu'après quelques heures d'entraînement, n'importe quel acheteur d'une machine équipée peut traiter en quelques minutes plusieurs hectares. Est-ce que c'est si facile? Nous avions sous la main des spécialistes, les moniteurs du syndicat des pilotes professionnels. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux, de tout ça? Tu formes des gens? Non. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour... Je trouve que c'est pas un service de leur rendre. Pas tout de suite, là, tout de suite. Il faut d'abord que nous, on expérimente à fond, puis après faire un créneau là-dessus, puis savoir comment on va enseigner cette formule. Parce que jusqu'à présent, on sait peut-être faire, mais on ne sait pas enseigner. La psychologie là-dessus... Alors, tu peux pas dire au gars qui va faire 15 heures de vol, maintenant vous allez passer sur un appareil de traitement pour vous apprendre comment il faut faire. Pour lâcher du micro-granulé, oui, parce qu'à 25 mètres de haut, pas de problème. Là, on va voler entre 50 cm et 1 mètre. Tu vas voir, je vais tenir l'appareil, moi, depuis le bout de la piste jusqu'à l'autre bout à 50 cm. Et il bougera pas d'un mètre. Il va rester comme ça, tout le temps. Et ça, il faut le tenir. C'est le colza surtout et le blé. Et le maïs insecticide. Après, insecticide sur les colzas, et puis fongicide sur les blés, et puis la pyrale du maïs. Vous ne faites pas de traitement herbicide? Non, on n'est pas assez. Non, là il faut vraiment de l'eau, il faut vraiment mouiller. Il faut faire ce qu'on peut, mais là non. Et c'est vraiment un problème la pyrale dans le sud-ouest? Ben oui, c'est parce qu'on fait surtout le maïs de semence. Hein. Parce que voilà, les gens ils arrivent un jour, ils te font vachement confiance, ils sont vachement contents de voler au tout début. Et puis au bout de 7 à 8 heures, quand ils sont lâchés, qu'ils savent voler, ils ne te connaissent plus, ils volent. Alors donc tu te demandes en fait à quoi ça t'a servi de faire ça. Par contre quand tu fais de l'agricole, d'abord tu as un contact humain avec les agriculteurs, ensuite tu as l'impression d'avoir dans l'ULM pour une fois fait quelque chose qui rend des services à quelqu'un, ça je trouve que c'est vachement important. Tu estimes la vitesse à combien? 55. Le traitement optimal en hélicoptère est de l'ordre de 60 km/h, donc on est tout à fait dans la plage de vitesse. Là, avec la simple surface, on pourrait descendre à 35-40. Donc, tu fais encore un hectare à la minute. Ouais. Un hectare à la minute en phase de traitement. Un hectare, un hectare, minute et demie. Hein. Oui, c'est de... à peu près. Minute 30. Et les réservoirs fait combien, là? J'ai tourné à 15 litres là. La pression qu'il y avait, ça sortait 15 litres hectares. Il n'y a plus rien, il y avait 100 litres. En fait, on voit rien, même si c'est coloré. On voit pas fort. Hein. Y a que quand pourtant, il y a 100 litres qui sont passés. Et quand tu es en contre-jour, on le voit. En contre-jour, on le voit bien. Oui. On a senti les gouttes. Pas un nuage. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Ta rampe fait 13 mètres. 13 mètres, ouais. Moi, je peux te parler vraiment de la pulvérisation. François peut mieux te parler que moi du micro-granulé parce qu'il en fait plus. Nous, la micro-granulé, on s'en sert essentiellement sur la pyrale du maïs. Bon, les produits dits solides. On s'utilise. Le gros marché actuellement, c'est la pyrale du maïs, bon, sous forme de petits micro-granulés. Mais qui dit produit solide dit aussi une certaine polyvalence des produits. C'est-à-dire qu'en micro-granulés, on trouve des désherbants, on trouve des produits en plus, un peu plus gros qui sont des produits anti-limaces. Dès qu'on utilise des produits solides, on peut même voir à utiliser le dispositif pour faire des semis de riz, des choses comme ça, l'engrais. Les engrais qui sont sous forme solide, les apports d'azote. On a quand même en produits solides une gamme qui est suffisamment étendue pour justifier le traitement aérien. Hein. Évidemment, les problèmes d'épandage en produits solides sont extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on doit avoir une projection qui tient compte
de l'inertie et de la masse de chaque petit granulé. Et alors, évidemment, si on a un granulé qui fait 5 mm de diamètre, ce qui est un gros granulé, ben, le comportement est différent dans l'air, à sa projection, que si on a un micro-granulé qui fait un demi-millimètre, un quart de millimètre. Hein. Et le tout est de que ces granulés se répartissent d'une façon uniforme au sol. Il n'y ait pas ici 3 granulés au centimètre carré et là-bas 50. Hein, le gros problème, il est là. On va rester en dessous, non ? On va bien voir, on va s'exposer. Le dernier passage, ne devait plus rien y avoir. Hein ? Et en traitement avec des liquides, tu travailles à la même hauteur ? Ah non, avec les liquides. Mais là, le problème, c'est que si je suis trop bas, je laisse pas le temps au grain de se faire le parapluie. Hein. Mm-hmm. Là, on est obligé d'être... Et tu, théoriquement, tu travailles sur quelle largeur, là, à peu près ? 11 mètres efficace. C'est-à-dire qu'il y a un mètre de chaque côté qui reste. Alors il y a un petit réglage à faire peut-être en suivant ce qu'on veut. Si on s'aperçoit, on fait un essai d'abord. Si on s'aperçoit que ça fait passer au milieu un peu trop sur les bouts ou inversement, on règle l'angle du détecteur. Alors l'appareil il est en plus polyvalent, ça se démonte rapidement, tu peux mettre un deuxième siège, c'est ça ? Bah oui, c'est-à-dire que ça part d'un appareil qui est biplace. Hein, et tout ce module qui comprend d'abord le réservoir à carburant pour le moteur principal se trouve sous le siège là, hein, c'est intégré, et le réservoir pour le compresseur il est là. Hein. Donc un agriculteur qui est équipé avec ce type d'appareil peut faire à la fois de l'épandage, à la fois du tourisme et à la fois du loisir. Le montage, une fois que l'appareil est prééquipé, parce qu'il y a un petit prééquipement à y avoir, une fois que c'est prééquipé, l'appareil est monté ou démonté en 10 minutes. Moi, je voulais poser une question précise. Si je dis, je suis agriculteur, je veux acheter un ULM, apprendre à le piloter et faire moi-même le traitement de mes cultures, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Ben, je pense que Guy aura le même raisonnement que moi, en disant, écoutez, monsieur, nous sommes fermement et intimement persuadés pour des tas de raisons que c'est une très bonne technique. Malheureusement, elle est liée aux qualités du pilote. Et il va falloir que vous commenciez par apprendre. Mais ne vous leurrez pas, ça va vous demander longtemps et peut-être que vous n'y arriverez même jamais. Donc commencez par le commencement, faites de l'initiation à l'ULM et on verra si vous pouvez aller plus loin. Hein. À partir de ce moment-là, vous pourrez traiter. Sinon, adressez-vous à des gens spécialisés, des gens dont c'est le métier, qui ont l'expérience de la chose. Et vous gagnerez du temps. Évidemment, si vous envisagez l'ULM pour vous faire plaisir et éventuellement travailler en plus sur votre propre exploitation, bah, c'est pas incompatible, hein. Mais il faudra du temps, il faut pas aller trop vite. La réponse était claire et surtout, un mot était important, le plaisir. En effet, la première motivation, c'est le plaisir de voler. Et à partir de là, un agriculteur peut trouver de nombreuses utilisations de son ULM. S'il a déjà un gîte rural, il pourra facilement attirer des touristes. C'est un outil de convivialité. Il y a le plaisir du vol, le plaisir de la mécanique. Et pour l'agriculteur lui-même, le survol de son exploitation peut l'aider à la surveillance de ses cultures, de son troupeau. Un autre thème que nous avons abordé, c'est que dans les pays du tiers-monde, l'ULM peut devenir également un outil appréciable. L'ULM, comme c'est un moyen très léger de mise en œuvre et peu coûteux d'entretien par rapport aux autres aéronefs, ça permet de contrôler, de se faire de la surveillance de troupeau, de rattraper les bêtes égarées, de surveiller l'état sanitaire des cultures. Je vais vous citer un exemple. Vous avez, dans certains pays, les propriétés ont été faites, enfin les champs ont été pris sur des zones très boisées et à climat semi-tropical. Or, il s'avère que au moment des pluies, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a les attaques sanitaires, phytosanitaires, au moment des pluies, les agriculteurs mettent entre une journée et trois jours pour aller simplement voir l'état des cultures. Alors qu'en ULM, ils mettraient un quart d'heure à 20 minutes. Ils ne peuvent pas employer l'avion parce que, comme le terrain est mouvant, ils ne pourraient pas se poser. Et ils pourraient guère employer que l'hélicoptère, mais ils n'en ont pas les moyens financiers.
On pourrait être amené à penser que dans les pays en voie de développement, les parcelles sont importantes et qu'à ce moment-là, des moyens plus lourds sont plus efficaces. C'est théoriquement valable, mais il ne faut pas oublier que ces pays-là ont deux handicaps importants. Le premier, ils n'ont pas souvent ni les pilotes ni la technologie d'entretien de ce matériel lourd. Et la deuxième raison, qui est une raison purement financière, c'est qu'il faut savoir que le manœuvre à Madagascar gagne un franc de l'heure, par exemple. Donc le coût de revient d'un hélicoptère, c'est fantastique, ça devient fantastique. Et entre la technologie et les coûts financiers, bien l'appareil n'est pas viable. On met en route. Attention, l'hélice. Pourrait-on penser à la limite de Cambos, cet outil puisse être pour des cas particuliers un outil d'évacuation sanitaire? Ah oui, parce que c'est un appareil qui est extrêmement léger, donc qui décolle court, et qui quand même, il faut bien s'en souvenir, c'est quand même pas n'importe quel aéronef, parce que c'est un des rares aéronefs qui est capable d'emporter plus que son propre poids, hein, puisqu'on emmène au moins deux passagers, c'est-à-dire pas loin de 200 kg de charge, alors que l'appareil est censé en faire 150 à 175. Et ça, en aviation, c'est pas si courant que ça. Voilà, le stage arrivait à sa fin, nous savions piloter. Il nous restait à remercier nos moniteurs, ceux qui avaient su nous transmettre leur enthousiasme. Enfin, Patrick Rébérol. Nous avons ce que l'on appelle un anémomètre, c'est-à-dire c'est un instrument qui va indiquer la vitesse de l'ULM par rapport au vent relatif et non pas par rapport au sol, c'est-à-dire par rapport à l'élément dans lequel il est en train de se déplacer. François Tovex. L'hélice a un temps d'inertie et il ne faut pas compter sur la poussée motrice pour vous dégager d'un mauvais pas. Guy de France. Il veut m'en vendre un. Oh, c'est une trop bonne machine, je la garde pour moi. Même, oh. Il veut même pas m'en vendre. Pascal Morel. Alors, il y a différentes manières de plier. Ça peut être comme ceci, ça peut être également comme ceci. Voilà. Daniel Lepeu. Le virage était bien, hein, ouais. Mais essaie de tirer un petit peu plus, parce que là, ça va, on prend des virages à basse inclinaison, ouais. Mais quand on va prendre des virages à inclinaison plus forte, tu tires quand même un peu plus. Hein. Sinon, on décroche. Ok. Sinon, c'était bien. Et François Pignot de la Roche.